va falloir que je fasse le plein parce qu'aujourd'hui, on va bouger parce que j'ai rendez-vous chez le véto justement pour Falcor pour son vaccin à la base. J'avais pris rendez-vous, mais comme il s'est aussi arraché un ongle, j'en avais parlé vite fait. J'ai montré ça parce que c'est vrai que là, il reste plus que la racine. J'ai désinfecté tout ça, mais c'est vrai que ça m'inquiète un peu. J'espère qu'il va pas perdre son, comment on appelle ça, oui, c'est l'ergot. Parce que j'ai eu justement Arnaud, vous savez, Arnaud, Corinne et puis Paco. J'étais passé les voir en remontant d'Espagne. Paco, il a dû se faire opérer, ils lui ont enlevé l'ergot. Donc, parce que pareil, son ongle était cassé, enfin, ça allait pas. Donc, j'espère que Falcor, ce sera pas le même, quoi. On va se mettre en route parce que il va être bientôt midi. J'ai à peu près 2 heures de route et j'ai rendez-vous à 14h40. 14h40. Donc voilà, on va se mettre en route, on va plier les affaires et puis direction l'Auvergne où je vais aussi ensuite retrouver mes petits cocos, mais ça ce sera demain. Allez mon gros, hop là, on va faire la petite sortie avant d'aller au véto. C'est vrai qu'au final on n'aura pas trop exploré ici du coup. Bon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. C'est vrai que ce matin je me suis levé encore assez tard. Hein. Comme j'étais pas bien encore, cette nuit ça a été encore, mais c'est vrai que j'ai du mal à me remettre sur pied. Mais bon, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Déjà il fait plus frais, il y a un petit peu d'air, donc c'est vraiment très agréable par rapport au jour précédent. Et en Auvergne il va faire encore un petit peu plus frais, même la nuit j'ai vu qu'il faisait 12, donc ça va être super agréable pour dormir. Donc voilà les amis, écoutez, on fait la petite balade hein, et puis après on va prendre la route. Salut mon gros, t'as fini? Ouais. Allez, on va se mettre en route, sinon on va être à la bourre après. Mais ouais, je reviendrai sur ce spot parce que ça a été quand même très calme, hein, la nuit, pas un bruit, pas beaucoup de passages. Donc ouais, la prochaine fois on explorera un petit peu mieux les environs. Voilà, ça y est, tout est calé, j'ai descendu la glacière, c'est vrai qu'elle me prend énormément de place, hein, mais je peux pas la laisser dessus parce que sinon elle tomberait en freinant. Pas mal de déchets de recyclage aussi à jeter. Là, pour la glacière, je mets deux tendeurs comme ça. Bon, elle est quand même freinée, mais je me dis si jamais... il y a un freinage d'urgence, au moins voilà, elle va pas écraser gros toutou, même s'il est surélevé, donc ça risque rien, ça viendrait taper là à la limite. Mais bon, en sécurité, j'ai quand même mis ça au cas où. Et il va falloir faire aussi le plein de nourriture parce que ouais, il n'y a plus rien, tout est vide. Enfin, tout ce qui est frais est vide. On a fini la viande hier pour gros toutou, donc je vais en racheter aujourd'hui. Faire 2-3 courses aussi parce que ouais, j'ai plus grand-chose dans les placards. Allez les amis, c'est parti, en route pour l'Auvergne! Bon je suis arrivé un petit peu en avance, donc ce que je vais faire, je vais déjà jeter les déchets, les poubelles et puis remplir l'eau aussi. J'adore l'eau. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Allez, maintenant, direction le véto. Ça, on sera pile à l'heure. Bon, on y est même arrivé un petit peu en avance. Impeccable. Allez, comme ça, je vais pouvoir préparer son petit passeport et on va faire donc le vaccin et puis voir pour sa papate. C'est vrai que le temps passe quand même assez vite. On l'avait fait donc le 11 août 2023.
Donc, il fallait le faire avant le 11 août 2024. Donc là, c'est nickel, on est le premier. Allez, on va mettre le harnais. Allez, mon go. Ah si, ouais, c'est bien. Allez, on va démontrer ça. Hein? Ouais. Allez, en route, mauvaise troupe. Il reconnaît, il connaît mon go. Hein? Tu te rappelles d'ici? Ouais. Il a l'affût parce qu'il a senti plein d'odeurs. Qu'est-ce que tu sens? Il y a d'autres animaux ici. Il fait rien. Et comme un fou, il est à l'affût. Ouais, il y a des copains ici, sûrement. Hein. Mais c'est des copains qui sont malades. Ouais. Ça va bien se passer, quoi, surtout. Hein? Il est nerveux, je crois. Ouais, il est excité parce qu'il entend, des autres animaux. Du coup, ça l'excite. Et ouais, on se détend. Juste là, le sol, il est bien frais. Bon, bah écoutez, ça y est, on est reparti pour un an. On a eu un monsieur cette fois-ci très 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 gentil. Hein, il a refait le pansement, regardez, hop, des falcors. Il lui a mis une petite pommade cicatrisante et il m'a dit que la plaie était très très belle. Donc voilà, pas de soucis, il n'y aura pas besoin d'enlever l'ergot. Donc il m'a conseillé par contre, c'est de mettre du miel, du bon miel. Alors si on, parce que j'ai pas de pâte cicatrisante, mais il m'a dit sinon le miel c'est très très bien aussi. Donc je vais passer à la miellerie qui est juste à côté et on va lui, voilà, on va lui changer comme j'ai fait là le pansement le soir et puis le matin quoi, avant de se coucher, puis le matin. Voilà, mais en tout cas je suis bien content, parce qu'il m'a dit qu'il était en bonne santé, il a regardé les articulations, tout ça, tout va bien. Ah mon gros, tu es en pleine forme. Il pèse toujours 43 kg et 800 grammes, il a pris un petit peu, hein, quelques grammes. Ouais, mais en tout cas il est en bonne santé. Donc au top. C'est vraiment juste à côté en fait, là il y a le garage Guillaume et puis après il y a la miellerie, pardon, la roche du volcan si je dis pas de bêtises. Alors attendez, non c'est un petit peu plus loin. Non c'est là, ah, ouais, c'est ça. Agriculture bio. Donc allez, je vais me garer. Parce qu'il m'a dit bien sûr de ne pas prendre des miels dans le commerce, hein, vraiment de prendre un vrai miel sans conservateur, enfin sans rien quoi, sans produits chimiques. Donc c'est ce qu'on va aller chercher. Et ben franchement, ils sont super adorables ici. Je vous conseille vraiment de venir. Ils expliquent, vraiment, ils prennent le temps de nous expliquer. Et regardez, j'ai pris vraiment un gros pot comme ça pour 8,90. C'est vraiment pas cher, quoi. Et c'est vraiment, ils ont que des miels bio. En fait, il n'y a pas de produits chimiques dans tout leur miel. Il est analysé tout ça. Donc, ouais, non, franchement, ils sont au top. Donc impeccable. Avec le pot que j'ai là-bas, je vais même pouvoir en déguster du coup. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, il y en a 500 grammes, donc on va se régaler. Et à la fois, ça va être le top pour Falcor, comme ça va bien cicatriser. Allez, bah écoutez, il ne reste plus qu'à aller faire les courses, et puis après, on va aller sur le spot à Murat-le-Caire, là où j'étais allé l'autre fois, comme ça, au moins, bah, je suis bien posé là-bas, c'est très calme, et parce que les enfants, je les ai que demain soir. Donc voilà, comme ça, on sera tranquille pour la journée, on ira se balader, et puis après, j'irai les récupérer au soir. Vous vous demandez peut-être ce que c'est, ce sac, là. En fait, c'est de l'herbe qu'avait coupé Christian dans son champ. J'ai rempli un sac, comme ça va me faire, ça fait que je passe de la paille quoi. Ça me fait pour les toilettes sèches quoi. Y a pas à dire, l'Auvergne c'est quand même plus joli quand il pleut pas. Hein. On en profite mieux. Et on respire aussi bien mieux parce qu'il fait vachement plus frais que là où j'étais. C'est plutôt agréable. On voit que c'est l'été, hein. Y a beaucoup de monde. J'ai croisé aussi pas mal de camping-cars, tous les magasins sont ouverts. Allez, voilà arrivé au magasin. Bon bah franchement, je m'attendais à plus parce que le chariot est complètement plein. Ah oui, j'ai fait les courses pour les enfants, tout ça. Et je suis à 166 euros. Ça va encore? Bah écoutez, je crois que je vais finir par me réconcilier avec Lidl. Je trouvais que c'était vachement plus cher, mais bon là, ça va. En plus, j'ai acheté pas mal de viande pour Falcor. Pas mal de petites cochonneries pour les enfants aussi, parce que j'aime bien les gâter. Bon, ça va. Franchement, c'est correct, je trouve. Pour un bon caddie comme ça, bien rempli, je m'attendais à 250-300 euros. Quand j'ai vu 166, j'ai fait, bon, oh, bah ça va. J'ai pris aussi des petites friandises pour Falcor.
et je me suis laissé tenter. Enfin, j'en prenais plus trop acheter directement, mais voilà, j'ai repris des gaufres. Je crois qu'ils ont changé un petit peu le paquet, on va goûter si elles sont toujours aussi bonnes. Bon, bah maintenant, il va falloir ranger tout ça dans les placards. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pu prendre pas mal de trucs qui vont au frais. J'avais mis en route la glacière. Donc là, elle est déjà prête à recevoir les aliments. Voilà. Ça, bon, la viande, elle s'abîme pas. Ça, c'est top. Puis j'ai pu prendre aussi des petits trucs comme ça, là, les petites salades. Voilà. Ça, c'est pas mal, ça, aussi, quand il fait chaud. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est à peu près tout rentré. Hein. Il y a 2-3 trucs qui dépassent. Mais ça va. Allez, direction le spot maintenant. Bon bah écoutez, ça m'a l'air bien blindé. Il va y avoir de la place sur le parking. Ah, apparemment oui. Ah, il y a déjà un camping-car. Mais ça va, celui-ci il est vide. Bon, je vais me mettre comme la dernière fois. Bon, bah écoutez, finalement c'était bien les abonnés. Je me suis demandé en fait en arrivant. Donc nous avons Olivier et Véronique, voilà, qui m'ont invité à boire un coup dans leur CC. Bah, c'est rigolo quoi de se retrouver comme ça sur le parking. En plus, tu me disais que c'était parce que tu avais vu la vidéo. Oui, j'avais vu la vidéo que tu étais venu avec tes enfants récupérer ici pour passer quelques jours. Voilà, c'est ça. Et c'est justement, j'ai reconnu le parking. Tu as reconnu le parking et puis tu me vois arriver. Ouais. C'est assez rigolo. Quand même. Ça, bah ouais. Justement, en plus, tu disais que tu parlais de moi quand je suis arrivé. Oui, juste, je parlais à ma femme comme quoi c'était bien ici, que je reconnaissais bien, qu'il s'est garé au fond. Ouais. Effectivement, il s'est garé au fond. À la même place. Ça, c'est le truc que je voulais... Ah non, Falcor, ton pansement. Bon, bah tant pis. C'est le truc que je voulais faire en arrivant à Muralkerr. Ah, mettre les pieds dans l'eau. Bon, il faudra changer ton pansement, hein. Bah ouais. De toute façon, on allait le changer ce soir. Ah, ça fait du bien, ça. Ah ouais. Bon, du coup, j'ai proposé à nos invités, on va dire ça comme ça, à nos amis, de manger ensemble ce soir. Hop, attention. Et voilà, comme si j'avais pris une pizza pour ce soir, et puis eux, ils avaient prévu une salade. Donc comme ça, on va se faire un petit repas ensemble. Ah mon gros, là, t'en profites pour boire, toi, elle est fraîche, là. Oh, c'est trop agréable. Bon, ça y est, on est rentré, donc je vais lui changer son pansement, là, qui est mouillé, maintenant. Et donc, on va lui mettre le miel. D'ailleurs, j'en ai pris un qui est pas trop liquide, hein, qui est un petit peu onctueux, comme ça. Pas trop dur non plus, parce que sinon, ça aurait été compliqué de l'étaler. Donc allez, on va mettre ça. Ça sent bon, hein, t'aimerais bien goûter. Hein? Ouais, non. Et non. Là, c'est cool. Je suis en train de faire un carnage. Voilà, filmer et faire ça en même temps, c'était peut-être pas une bonne idée. Là. Voilà. Un pansement tout beau, tout propre. Ça va? Ça t'a pas fait trop mal? Il s'en fout complètement. Un goût du tout. Bah ouais. On va manger peut-être maintenant. Hein? C'est ce que ça te fait? Aucune réaction. Aïe, je me suis cogné la tête. Voilà, ça t'apprendra. C'est ça que t'es en train de dire? Oh, je t'embête. Oh, ça va. Hein? On peut rigoler un peu quand même. Et ce soir, pour goût du tout, pour se remettre de toutes ses émotions, hein? Et ben, 100% viande, allez. 1 kilo de viande ce soir. Hein? Ah, là, il y a de la réaction, là. Ah, oui, hein. Je coupe un petit bout, parce que sinon, si je le connais, il va tout gober, comme un serpent. Et le tout directement dans la barquette. Si ça passe. Ah, ça passe nickel. Voilà, mon gros, c'est pour toi, ça. Hein? Après, on va dire que tu manges que des knackis. Allez, vas-y, bon appétit. T'as pas fait long feu, hein. Quoi, tu regardes, genre, il y en a plus. Oh, t'as mangé 1 kilo, là. 1 kilo de viande, mon petit. Enfin, mon petit, mon gros.
Ça, c'est le papier. Ouais. Je lui ai mis la barquette comme ça, il la lèche, il aime bien. Hein? T'as tout léché comme ça. T'as pas laissé une goutte. Il est pas mort pour rien, ce poulet. Et donc là, je vais faire cuire la pizza avec la poêle. Par contre, je vais sortir la plaque de cuisson à l'extérieur parce que sinon ça va amener de la chaleur à l'intérieur. Donc, je vais la poser sur la petite table dehors. Et puis, il faut que je vous montre. J'ai un nouvel accessoire. Regardez. Tadam! Et ça, c'est Gwendal qui me l'a offert quand on était chez Christian. Voilà. Premier jour où il est arrivé, il m'a dit, tiens, Idriss, c'est pour toi. Voilà, comme quoi il suit bien mes vidéos. Donc, un grand merci à toi encore, Gwendal. Regardez, avec la petite multiprise que j'ai décrochée du coup pour avoir plus de longueur. Voilà. On va être pas mal ici. Regardez un peu, c'est pas la belle vie ça? Impeccable. Alors, on allume le 220. Il manque juste une assiette plus grande en fait. Il faut que je trouve une assiette un peu plus grande en céramique où je pensais que je vous avais dit une fois les trucs de tagine qu'on met par-dessus. Donc ouais, il faudrait que je trouve ça. Parce que sinon là c'est vrai que ça trempe à chaque fois un peu dans la pizza. Elle est pas assez grande. Je vais pas mettre très fort, je vais mettre au minimum. Voilà, comme ça cuit tout doucement. Allez, j'inaugure la petite roulette à pizza. Nous avons Olivier. C'est Olivier, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai une mémoire des prénoms, moi, c'est terrible. Qui est en train de préparer la table, voilà. On va se faire un petit repas ensemble, ça va être sympa. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal, là. Regardez. Hop. Tranquillou. Franchement, à la fraîche. Le soleil, c'est en train de se coucher. On est pas mal. Vous pouvez parler, hein. Ils sont timides, je crois. La pizza est bonne. Ouais, c'est vrai que la pizza est bonne. La salade aussi. La salade, j'ai pas encore goûté. Voilà. Mais je pense que je vais goûter. On est bien au frais. Bah ouais, ça fait du bien. Même gros toutou, là, il est tranquille. Oula, là, tu nous ramènes le dessert, qu'est-ce que c'est? C'est une mirabelle faite à maison. C'est-à-dire qu'on les a récoltées l'année dernière, on les a mis au sirop et stérilisées, voilà. Ah ouais. On va conserve et au frais. Eh bah écoute, on va goûter ça. Bon, bah allez, goûtage en direct. Hein. Bah, elles sont très bonnes. Bien réussi. Merci. Bon, bah, ça y est, Olivier et Véronique sont en train de repartir. Ils sont venus me dire au revoir. Et puis, ils m'ont invité aussi, si je passais dans l'Aveyron, de venir les voir, quoi. Donc, bah, ce sera avec plaisir. Bah, en tout cas, c'était vraiment sympathique, hein, cette petite soirée. À la prochaine! Là, du coup, j'étais occupé à faire mon montage depuis toute la journée quasi, j'ai passé dessus. Il y a beaucoup de monde qui sont arrivés, parce que ce soir, il y a une fête. Petit van qui m'a collé d'ailleurs. Ce soir, il y a une petite fête apparemment vers la mairie à 21h. Donc moi, mes enfants vont me rejoindre du coup ici. On peut voir d'ailleurs que je me suis rasé. Et la mère de mes enfants va me les amener ici directement en voiture. Ce sera plus simple, comme ça évite que je déplace le camping-car. Parce que de toute façon, j'ai envie de voir la fête ce soir et de dormir ici à nouveau. Donc voilà, voilà, aujourd'hui c'était journée montage. Et puis ce soir, bon, on ira voir un petit peu cette fête. Enfin, on va voir ce que c'est.